plus rien. Alors, tu sais qu'il y a du papier un peu dans du carton. Alors avant, c'était repris par une entreprise telle qu'elle, là. Donc, dans cet état, c'était repris. Et maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on ne retourne plus. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? On le stocke. Ah, mais après, ils le reprendront? On va attendre la fin de l'année et on va essayer de trouver notre entreprise qui prendra. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est les vieux pas chers là. Comme tu vois là. Ça c'est celle que t'as pas de permis? Si, non. Ah, c'est la Twingo. Oui, monsieur Gant. Ça y est, tu as déjà ton téléphone, tu as tout. Eh ben, on va voir les notes. Tu es prêt là? Je pense à un truc parce que je sais pas si ce soir j'y penserai. Demain à 10h30, 11h moins quart, j'ai les mecs de la Ligue du Languedoc-Roussillon qui viennent. Tu sais, les comptables, les secrétaires et tout. Il faudra que tu les promènes dans la propriété avec le JMC. Et puis moi à midi, je serai là pour bouffer, que vous ferez avec nous d'ailleurs. Ça va les branleurs? J'entends que des papotements. Tout va bien? Ouais. Ça marche? Très bien. T'es en forme? Oui. Ça va, il est bien, comment? Tu vas bien? Ça va, oui. Où il est, il fait un. Voilà. Non, on l'attend. Putain, mais tous les directeurs, ils sont de... Ils sont de sortie. Sont de sortie, il n'y a que moi. Personne. C'est bien quelque chose. Et alors, avec qui tu rigolais tout à l'heure? Ah bah oui, c'est vrai qu'il rigole. J'étais à la foire hier. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, bon allez. Ah, dans le chemin là? Ah, ben c'est plus bon, ouais. Ah, tu t'en es sorti? Et vite, toi, pas eu quoi? On a pas couru, moi je suis pas allé dans la route. Allez, viens! Mon loulou, tu vas être la nouvelle star du cinéma français. Depardieu, Gabin, tout ça, Belmondo, ça vaut rien. Hein? J'ai dit putain, t'oublies Alain Delon. Il me dit j'ai la gueule, j'ai plus beau que lui. Ça va. J'ai trouvé dans le procès qu'il avait pas lié un peu. Non? Joué grand, hein? Non? Mais c'est pas les gendarmes qui te gardent, c'est les matons. Oui. Et alors, quand tu veux améliorer l'ordinaire avec des langoustes et tout? Parce qu'ils tombent un peu bousculés, les gendarmes de la Réunion. Ça, c'est suivant comment vous filmez. Toi, tu sais ce que c'est que les journalistes? C'est la retraite, non? Hein? J'arrivais de vacances de l'île Maurice, ça, j'ai fait que rire. Hein? Ça leur fait plaisir. Non, mais là, je crois pas qu'on change beaucoup. Moi, je pense plutôt à l'avenir. Parce que maintenant, tu peux plus faire un pas. Et sans être avoir un souci de corrompre, non? Mais c'est vrai, on rigole. Regarde ça ici. Il y a des trucs, je suis sûr, que j'ai fait payer par ma boîte, à but bien sociaux. Tu tombes. Hein. Enregistre. Vous avez bien entendu. Non, mais tu rigoles. Attention, hein. Mais je m'en bats les roustons. Il y a le sang incorporé. Moi, je m'en fous, moi. Et te dire, hein. Depuis 15 ans de Marseille, de l'affaire de Marseille, je suis prêt à tout.
Parce que là, c'était la première fois que j'en ai eu, j'ai eu peur. Hein. Vous seriez surprise. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux? Pour la première fois de notre vie, l'autre jour, si j'étais pas assis, je tombais par terre. Bilan, tout arrêté, plus de bâtons. Oh, j'ai failli mourir. Plus de patates. Plus de patates, oui. On était à moins 52 patates il y a 4 ans. Tu sais ce que c'est, 52 patates des nouvelles. 5, des nouvelles. Ouais, 52 millions. Et là, plus de, on va pouvoir redépenser. Vous voulez qu'on passe à table? Allez, go. Si vous avez du travail, parce que moi, je croyais qu'on gardait Madame Zanguignol toute la journée. Oh, mais... Non, bon. Ah, bon. Donc, voilà. J'ai su que chez l'air mauvais, j'ai envoyé balle. Bon, on arrive, on allait se promener tous les deux. Complètement. Tous les ans, il t'a bloqué. Alors, il est resté très longtemps qu'avec une plume. Ouais. J'essaye de faire un gym, mais j'y arrive pas. Faut que je trouve une fiancée. Oh. Au régime. Hein. Ah ça, officiel. Sauf moi, j'ai eu des fiancées. C'est la meilleure cure. Demandez à mon homme demain, là. Ouais, parce qu'elles sont exigeantes. Ah ouais, ça. C'est vrai qu'une fois, j'étais comme toi. Parce qu'une grossesse qui t'avait mis. Parce que lui, il était aussi gros que moi, lui, hein. Il rigole. Jeune comme il est. Faisais de te voir que j'ai envoyé tous les matins. C'est rapporté, là, pour ça. Et t'as jamais regrossi, là, depuis un an. Mais alors, dès que tu manges un peu, là, parce que ça, c'est pas un repas pour toi, ça, normalement. Normalement, non, mais tant pis. Et alors, ce soir, tu sautes et ou demain. Obligé, là, oui. Tu manges rien du tout? Ce soir, là, je vais essayer de ne pas manger grand-chose. Allez. Ben ouais, obligé. Ouais, c'est mauvais de stocker des repas. Ouais, c'est mauvais, mais c'est pas bon non plus. Mais c'est le seul moyen de... Tu sais qu'il faut stocker. Le soir, c'est pas bon. Tu stocke encore deux fois plus. Vous pouvez parler, vous pouvez manger ce que vous voulez. Eh oui. Quoi, Victor, est-ce que tu peux sortir avec une femme? Alors, bien sûr, si c'est pour monter de suite dans la chambre d'hôtel, à la rigueur, et encore, t'as vite envie de fumer une cigarette et te casser. Avoue que c'est bien d'avoir une femme avec qui tu peux converser, qui n'est pas con et tout, non? Et si en plus elle est belle, qu'est-ce que t'as de... Ça dépend de la couleur. Là, je t'arrête de suite. Ne me parle pas de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas pareil. Parce que l'Afrique, t'as des filles qui sont belles, il y en a, et intelligentes aussi. Les sahéliennes, tiens. Les Peuls. Oh, et nous, on est des adeptes du Cameroun, oh. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je te dise quand même, ah, que je te dise quand même. Quand même Grappa. Un club célèbre. Même Grappa est un adepte du Cameroun. Loulou. Après, quand tu le vois, là, je pense à ce que je vais raconter. Quand il était avec... Toi, tu n'étais pas, c'était Duche. Oui, c'est bien arrivé. Mais après, moi, j'étais là deux fois. Il avait mis son peignoir de l'hôtel, mais tu sais. Oui, j'étais à Doha. Hein. Et on avait trouvé trois hôtesses de l'air. Et attention, pas mal, hein. Et il y en a une, pff, elle me disait, mais il est perdu, il est rouquin et tout. Je disais, ça casse pas les couilles, hein. Va avec lui. Et ce Grappa, il commence à lui faire des cours. Oh. Oh là là. Alors il a mis tout ça pour dire qu'il a mis plus longtemps que nous. Nous c'était pas la merde nos enfants. Hein. À un moment donné, je te tape à cette porte avec Jean-Pierre. Oh j'ai dit t'as bientôt fini. Il m'ouvre avec le pied noir. Qu'elle a dit, c'est sa petite queue rose qui goûtait encore. Moi. Chaque fois que je te vois, je m'engueule avec lui, je le vois comme ça. Et alors je me mets à rire et fais, bouge de con. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire des types comme ça. Loulou, bon, et alors, c'est vrai, tu as raison de voir la chose de cette façon. Alors que nous, on fait l'amour simplement. Ben, j'irai aussi loin que toi, puisque tu as commencé. Il dit que quand quelqu'un l'impressionne, il pense quand il est sur le trône. Ah oui, tout le temps. Hein. Ah, c'est bien. Ah non, mais j'ai eu, je sais pas, dans ma vie, trois ou quatre rendez-vous importants, où des fois tu sais pas quoi dire. Moi, j'ai vu ce type sur le spot. Et t'as plus le temps de parler. Là, vous, j'avais été voir Chirac pour les poubelles à Paris. Mais ça n'avait pas filé. J'ai dit, il faut que je lui dise de tout à ce type. Et je lui ai dit de tout, et je le voyais sur le trône. Hein. Et je lui ai dit de tout, hein, que c'était un enfoiré, de tout. Ça avait fait du bruit, d'ailleurs. À l'époque, c'était pire que les avions renifleurs, si je dénonce le truc. Allez, oh,
Ils avaient filé aux concurrents qui faisaient le double de prix que nous, dit. Et ils disaient qu'on n'avait pas de référence. Comme Malone, avec des villes de 100 000 ou 200 000 habitants. Il est drôle d'en pas fait, hein, là-bas. Monsieur, sortez. Non, je suis là, je reste. Quel paix, ce varlot, il s'essuyait le front. Il était là, il avait pris son mouchoir. Bonjour. Il y avait l'ancien préfet de police. Comment il s'appelait? Qui est maire de Villemomble. Comment il s'appelait ce type? Qui était son chef de cabinet. Assez costaud, là. Monsieur Nicolas, tout le respect que je vous dois, sortez, arrêtez, vous agacez, monsieur. Il dit, mais oh, ce monsieur, c'est pas sa majesté, quand même, maintenant, il est président de la République, là. Je bois. Je dis, pas parce qu'il est maire de Paris qu'on n'a pas le droit de lui dire ses vérités, non, franchement. Alors, lui, Tibéri, il a eu le pire, lui. Mais lui, c'est pas difficile, Tibéri. En attendant, il a monté une mafia corse à la mairie de Paris. Tibéri, Romane et Dominati, ils ont tout en main. Oh, le salaud. Ça fait pas mal d'années, quoi. Ouais. Ça existe. Non, je rigole, parce que... À ce Tibéri d'entrée, il avait attaqué. J'étais avec deux députés qui m'avaient permis de le rencontrer. Et ces types, ils faisaient courir. Ils faisaient courir. J'ai dit, monsieur Tibéri, si je me puis me permettre... Si je vous parle d'argent, vous n'allez pas comprendre. Je vous dis que la benne est à temps, la benne à ceci, ça. Mais moi, je vais vous faire une image. La CITA et la CGEA se font les couilles en or. Et moi, avec le prix que je faisais, je me faisais en argent. Vous avez compris? Voilà ce type. Et là, il dit, ah bon? Ah bon? Ah bon? Et je lui dis, même en bronze, on gagnerait notre vie aussi. Donc ils se font les couilles en or. Si oui, puis alors vraiment en or. C'est pas pour ça que depuis on les a eus. Hein. Quoi? Des poubelles à Paris. Hein. Ah bon. Il était habillé, un costard noir, une cravate un peu noire. Hein. On aurait dit qu'il était dans l'œil. J'ai dit, mais vous ressemblez vraiment au croque-mort de Lucky Luke. Voilà ce qui... Il m'a plus adressé la parole de David. Ils sont encore là-dessous. Ah, tu es fort, hein. Et si on avait été dessous, il n'y avait plus de paye à la fin du mois. C'est fini. Non, moi je suis désolé. Je sais, j'ai vu. Très bien. Mais non, je n'ai pas regardé, j'ai vu. En passant, parce que j'ai déjà. J'ai toute la collection des Donkey Toy, Dinky Toy, Solino. Grappin, il a été habillé, là. Je te dis que... C'est l'avocat, il est gagné à l'école, alors que c'est pas tellement le référendum. Oui, il paraît. Oh là là. Tiens, je suis pas un enculé avec toi. Je te fais vraiment godiller. Parce que celle-là, si tu la trouves... Hein, tu l'as trouvé, ce mot. C'est là... Ah ouais, là, je mange un rat si tu la trouves. Tu l'as ailleurs. À un moment donné, ils ont eu un différent sur les forces de police. Ça c'est qui? C'est pas quoi avec Georges Fraîche? Avec Georges Fraîche. C'est Georges Fraîche qui demandait. Voilà le coup. C'était pas très. Oui, c'est vrai. Ah ben,
sœur, en fait. Il sera là ce soir, d'ailleurs, je pense. Oui, il sera là. Marrant, hein? Ouais. Socialiste, Georges Fesch. Socialiste et qui ne s'aime pas trop. Voilà, ça donne. Il y a le président du conseil de la région, le président du conseil général et le maire de Montpellier. Donc UDF, socialiste, socialiste. Ça, c'est à l'Arbiou, c'est à Nicolo. Ça, c'est un gars qui s'occupe de ciné. Ça, c'était le sénateur. Là, c'est Dimiglio, qui est un député UDF. René Couvagne, qui était député APR. Et notre bon Nicolin. Oui. Voilà. En Meunier. Au mieux de tous les politiques, parce que lui, il n'est pas politique. Le Brésil, et montre-moi Monaco, et on s'en va. Quel Monaco? Dis-moi, et les thèmes de Monaco. Ouais, ben. Tu les veux, ça? Non, je vais t'en prendre, je ne vais pas tout prendre. Les filles, je les en double. Ah bon, alors ça va. Allez. Comment est-ce que je peux préparer la valise, hein. Mais quel thème de Monaco? Sportif. Sportif de Monaco? Oui. Il n'y en a pas? Le football. Si, je vais voir. J'ai tous les thèmes de sport du monde. C'est vrai? Ouais. Dans l'ordre et tout. Moi, j'ai tous les thèmes français, tous les thèmes. Sauf ouais. Depuis 92, je les ai tous, hein. Mais ils sont encore pas classiques, ils sont regardables. C'est pour ça que quand tu me dis là, je l'ai en tout rentré. Il y a celui-là, et celui-là, c'est un nom d'entelé. Ah, bon, non. Et tu rigoles. C'est un d'entelé qu'il me faut. Celui-là, il vaut le. Celui-là, il vaut ça, le triple je de sais, celui-là. Je le sais qu'il vaut une fortune. Non, non, il ne fait pas les grands prix, non? Non, non. Mais j'ai tous les temps de sport. Ah bon? Je vois un truc. Oh, mais là, tu es tombé sur un mec de Monaco qui t'a tout donné. Oh, comment là, là. J'ai tout. Tous les temps de Monaco en sport. Non, tu n'as pas le 420. Non, mais je n'ai pas le 420. Il y a un temps de sport en 420? Ça m'étonnerait. J'ai l'album et tout. Parce qu'il m'en manque, je crois, un. Merde. Deux même. Non, non, c'est pas. Je prends genre. Ça va? Je prends genre. Allez, balance. Voilà. Si tu avais le 420 du Grand Prix, ce serait parfait. Quel c'est le 420? Dans la série des Grands Prix de. Dans lequel c'est le Grand Prix des autos. Et comment tu sais que c'est? Je le sais, il est où? Le voilà. Le reste sur toi. Non, je rigole. Donc c'est celui-là qu'il me faut. Ah, t'as où il est le football, bon. Footballeur, oui, de 63. Ouais. Mais merde, il est voilà. Qui? Je le crois. Lequel? Oui. Bon, dans les trucs de tout le monde. Alors qu'est-ce qui te manque? Il y en a qui te manque là? Il m'en manque un là. Hein? Ils n'ont plus le droit. Bonjour messieurs. Bonjour président. Ça va? Oh Claude, ça va? C'est les corsaires. Mais peut-être Bruno, il est chiant avec les genoux. Ouais. Donc ça c'est bon là? Très bien. Est-ce que c'est une bonne photo? Oui, c'est parfait. Allez, oh. Il y a deux jours que vous étiez là. Mais vous, c'est la classe. Puis les demoiselles qui rient. Vous êtes complices. Hein. Et celle de Guignol, tu la cherches aussi, non? Je trouve que t'as maigri. Tu peux me faire 4 heures. Ça, c'est un carré. Oui, à la fin du match, je te verrai.
que je te veux te voir danser un peu les tours. Hein? Bonsoir, président. Vous allez bien? Tu vous sens? Et vous-même? Demain matin, on ira mieux. Serve! Serve!